Allez, Thomas Pepper. Le Byzantin, membre de la TNB, n'explosant son doux. Tout juste relevé d'une opération, Thomas Pepper. Ça passe là pour Thomas Pepp dans ce dernier virage. On va l'applaudir, Thomas Pepp. C'est le deuxième temps pour Thomas Pepp. Toujours meilleur temps détenu par Théo Donut. Au départ, Florian Forissier, membre de la DN Incotière. Pour Florian Forissier, pilote élite donc de l'ADN Incotière. Et ça relance dans cette deuxième ligne. On va donner la procession. Procession pour Florian. Et ça a tapé la première, ça passe quand même la deuxième. Et ça relance dans cette dernière ligne droite. On applaudit bien fort Florian Forissier. Pour Florian Forissier, c'est le deuxième temps, toujours meilleur temps détenu par Théo Nonot. Attention départ donc pour Mathieu Rossinelli, pilote élite du club de Vesoul. Allez, c'est parti pour Mathieu. Effectuer déjà sa deuxième saison chez les élites, Mathieu Rossinelli. Il s'entraîne à Besançon la semaine. Allez, il va aborder la protection, Mathieu Rossinelli. Allez, ça passe pour Mathieu, ça va relancer là dans cette dernière ligne droite. On l'applaudit bien fort, Mathieu Rossinelli. C'est le deuxième temps pour Mathieu Rossinelli. Attention départ, pilote élite de Saint-Étienne, Jérôme Wolwend. Allez, c'est parti pour Jérôme. Jérôme Wolwend. Ça relance là sur le premier virage pour le pilote élite stéphanois. Quatrième temps pour Jérôme Wolwend. Au départ, Thomas Barocca, le Byzantin, pilote Inspire. Allez, c'est parti pour Thomas. Tell him don't waste my time. Tell him don't waste my time. Oh no, no, tell him don't waste my time. Thomas Barocca, pilote junior qui rejoint la catégorie élite l'année prochaine. Il aborde la procession, vice-champion de France Cruiser. Thomas Barocca. Ah, ça chute malheureusement dans le dernier virage. Ça glisse de l'arrière pour Thomas. C'est dommage, on ne saura pas son temps à Thomas. Allez, on va l'applaudir très fort s'il vous plaît.